Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve sur la version définitive, évidemment, du remake de Resident Evil 4. Comme d'habitude, installez-vous immédiatement dans le noir, un petit casque ou des écouteurs de préférence, jaugez le son comme il faut, vous inquiétez pas, je vais régler ça comme d'habitude, vous me connaissez, aux petits oignons, mettez en 4K, 60 FPS, un petit truc à boire et à manger. Et surtout, 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 n'oubliez pas le j'aime, ça fait toujours plaisir. Et grâce à vous, un maximum de personnes va voir ces vidéos. Et n'oubliez pas aussi le commentaire parce que j'aimerais vos avis, tout simplement. Bienvenue pour une nouvelle aventure horrifique sur Resident Evil 4, un des meilleurs Resident Evil à ce jour, encore à ce jour. Et il a été entièrement remake, on avait fait l'épisode 0 comme chaque année, c'est-à-dire... la démo, et on avait pris énormément de plaisir. C'est parti, installez-vous convenablement. Un an s'est écoulé depuis Resident Evil 8, et là, on revient sur le 4. Let's fucking go. Alors, histoire principale, bonus, option, PlayStation Store, peu importe, on est parti, histoire principale, nouvelle partie, en standard, pour les joueurs qui n'ont jamais joué à Resident Evil 4 de 2005, il est possible de passer en mode facile pour les joueurs qui ne sont pas habitués aux jeux d'action, et mode hardcore pour les joueurs qui ont joué à Resident Evil 4. Les ennemis sont plus forts et les défis plus difficiles, certains objets coûtent plus cher. On va le faire quand même en standard, même si Resident Evil 4, vous le savez, je l'ai poncé à mort, d'où le précédent let's play, je connaissais presque tous les objets et leur emplacement. On va le faire quand même en standard, et si vraiment on voudra se mettre du défi, pourquoi pas faire en difficile en live. Allez, let's fucking go. Septembre 1998, une date gravée à jamais. Le flic en moi est mort ce jour-là. Cette nuit-là, Raccoon City a été détruite à cause des armes biologiques créées par Umbrella. J'ai réussi à m'en sortir, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Ensuite, on m'a demandé de rejoindre un programme gouvernemental top secret. C'est pas comme si j'avais eu le choix. L'entraînement, les missions éprouvantes ont presque ma peau. Mais au moins, ça m'a permis de penser à autre chose. Si seulement je pouvais oublier cette nuit-là, la douleur, ne serait-ce qu'une seconde. Cette fois, ce sera différent. Il le faut. Ah ! Ils ont laissé la même musique, quel bonheur ! Alors, Yankee, qu'est-ce qui t'amène dans un endroit pareil? Tu sais, c'est le trou du cul du monde ici. Disons que je cherche quelqu'un. Ça doit être quelqu'un de très important, hein? Les ordres viennent du chef en personne. Aidez-le, il a dit. Ben, j'ai bien compris que vous aviez pas fait tout ce chemin pour faire un barbecue. Je me trompe? T'as un drôle de sens de l'humour, toi. Je vais te confier un petit secret. Et ça reste entre nous. Il y a pas mal de disparitions dans le coin. Et ça fait un bon moment que ça dure. Et ben alors, j'imagine que pour vous, ça devrait être la routine, non? Pas plus tard que la semaine dernière, on a dû rechercher des randonneurs. Je suis certain que vous ferez tout ce qu'il faut pour m'aider. Besoin naturel. Je reviens tout de suite.
¿Te has bebido el bar entero? ¿Cigarette? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? Eh ben dis donc, il en met du temps. Il est tombé ou quoi? Eh, dis-moi, ça te dérangerait pas d'aller voir ce qu'il fait? Je reste dans la voiture. Ce serait dommage de prendre une amende. Putain, tu pars d'une aide. Allez, c'est parti, le chapitre 1, let's go pour le début de notre folle aventure. J'attendais énormément ce jeu les amis, qu'est-ce que j'ai aimé Resident Evil 4 en 2005, et qu'est-ce que j'ai aimé la démo aussi, ça il faut l'admettre, elle était vraiment vraiment très très cool. Je ne pense pas qu'il y ait grand chose à ramasser ici pour le coup. Mais on va quand même apprécier un petit peu l'ambiance. On va pas spécialement le rush, pas parce qu'on l'a fait dans une démo qu'on mais doit où est-ce qu'il est passé ? Courir dès le début. Je peux même pas prendre le couteau ni rien pour l'instant. Ah ça on l'avait non. Déjà vu. Ok. Pas de commentaires. Il y a des bougies encore allumées hein. C'est que ça sent le sacrifice encore tout frais. Ok. C'est par ici. El Famoso Maison. Alors, on va essayer de ne pas tuer les deux autres qui étaient en haut. Ça, il y a un tonneau, je peux rien y faire. Oh, attendez. Non, on peut rien y faire. Très bien. Bon, on y va, hein. De toute façon, on doit y aller. On doit y aller. C'est vrai que ça ressemble beaucoup. Il y en a qui faisaient la comparaison avec Resident Evil 7, la toute première maison, quand on rentrait dans l'annexe de la maison des Baker. Ok. Y'a quelqu'un ? Ok, là-bas c'était la suite et ici je crois qu'il y avait une sorte de chambre. Si je ne m'abuse. Très bien. Oh ! Amulette grossière, le jugement approche. Bien sûr, c'est un classique, hein. Tout ce qui est jugement dans les jeux vidéo d'horreur. Ok. Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes chauds, les amis. J'espère que vous êtes dans l'ambiance. Bon, même si vous l'avez déjà vu dans l'épisode 0, c'est pas bien grave. Oh non, c'était là la suite. Oh, je le fais. Désolé d'être entré comme ça. Busco a un policía. Dino aquí. Ok.
Ok. On prend la clé de la cave, ça c'est fait. Je me suis un tout petit peu entraîné sur la démo, hors vidéo évidemment, parce que vous l'aviez déjà vu. Vous avez vu en tout cas mon tout premier essai. Et on peut effectivement maintenant, et ça c'est nouveau, esquiver grâce au couteau. Si on sort, bam, au bon moment, on fait une belle parade et on peut dévier projectiles et petits quantiques. Ok, ça a l'air pas si dégueu en vrai. Hein. On dit que ça pue, mais les gars, je pense que c'est une fausse rumeur. Allez, c'est parti. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Tiens, encore what? Police nationale, Mario Fernandez Castano. Agent de police. Et gardien de la paix avant tout. Ok. Oh, ce guy. Allez, c'est parti. Direction la VK. Ça, c'est stylé comment il sort cette lampe torche. Ok. C'est tellement plus obscur que le jeu d'origine. Mais à l'époque, le jeu d'origine faisait tellement peur quand on le faisait pour la première fois. Mais vas-y, frère, t'es un forceur, toi. Ok. C'est parti. J'écoute. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Ok. Sortir de la maison, cet homme est mort. Désolé Mario. Mais comme on dit, t'es comme Mario, t'es dans le tuyau. Et là on peut dire que t'es bien au fond du tuyau. C'était quoi? Oh putain, je me suis chié dessus. Yes, 3 balles. Je pense avoir tout vu. On est frais, chacal. 3 balles et j'ai pris un putain de coup. Hein. Ah, comment mal commencer. Hein. Oh, ça va être terrible. Ça va être terrible. It's terrible. Là, j'ai compris, hein. Je vais... Vous avez vu quelque chose? Je crois pas, moi. Ok. Ok, vous avez vu quelque chose? Moi, je pense pas, moi, en fait. Hein. Je pense qu'ici, personne ne voit rien. Ok. Allez, let's go. On va se mettre en sécure. Aucun intérêt de faire les deux, étant donné que je sais qu'il y a quelques corbeaux à faire avec les munitions. Et les corbeaux, ils peuvent give autre que des pesetas. Donc en vrai, sur un malentendu, peut-être qu'un corbeau va donner des munitions. Voire peut-être un RPG ou une M60, je ne sais pas. Perchoir, ici Condor 1. Ici Hannigan, du nouveau? La fille du président, Eglon. Elle est sûrement dans ce village. Nos infos étaient correctes. Bon boulot. Il me faut l'itinéraire vers un lac. On l'a peut-être emmené là-bas. Compris. Je vais voir ce que je peux trouver. Dépêche-toi. Quelque chose est arrivé aux gens d'ici. Mon escorte... Faut que j'y aille, je te rappelle. Ok, je me casse. Un skinhead espagnol. Ok. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire... Pourquoi pas. Toujours observer ce qu'il peut y avoir aux alentours. Je crois qu'ici, il n'y a pas encore d'objets, me semble-t-il. Mais oubliez pas que dans Resident Evil 4, il faut être très observateur sur les hauteurs et tout. Il y a souvent des topazes, des trucs qui se glissaient sur les branches.
Et d'ailleurs, là, normalement, il n'y a pas une course-poursuite avec un caillou qui nous tombait sur la gueule. Ok. Corbeau. On va voir si c'était rentable. Je n'ai pas pu... Bon, allez, on prend nos 100 premiers pesetas contre une balle de pistolet. Ok. Voilà, là, ça me plaît, là. Lord Sadler, Lord Sadler, attention quand même. Hein. Attention, ne franchissez pas des pas que vous pourriez regretter. Ok. Ah, la poudre noire, j'aime bien. Ça me permettra de créer des petites munitions. Allez, première sauvegarde. Sauvegarde des menus coffres. Les machines à écrire vous permettent de sauvegarder votre progression. Elles disposent également d'un menu coffre où vous pouvez stocker les armes et tout. Taux d'apparition des munitions de pistolet. Ok, bonus mallette, pourquoi? Je... Ah, j'ai pas de porte-bonheur. Oh, dommage. Allez, on va save. J'ai pas de porte-bonheur, pourtant j'ai une version du jeu. J'ai pas eu la version collector. Je rappelle que j'ai eu le jeu, et je remercie énormément Capcom, mais une bonne semaine en avance. Ok. Pour pouvoir vous préparer des vidéos de type qualitative. Ah, ça a pas la couleur de l'or. La poudre noire, c'est pas dégueu. Hein. En soi, ça, c'est pas dégueu. Hein. Ok. Pas mal. Yes, ça me plaît. 8 munitions. Vous l'avez vu? Est-ce qu'il y a un monde où je m'infiltre? Je l'avais pas fait dans la démo. Ok. Ok, je suis cramé. ¡Shirie! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Arria! ¡Let's go! Là, on s'en est très très bien sorti. Ok. Superbe ça, superbe. Superbe, superbe, superbe. Oh, je l'avais pas vu ça. Ok, 150 pesetas qui rentrent dans la bourse. Très bien. Très très bien. Bon, écoutez, j'ai pas l'impression pour l'instant de louper des potentiels objets ramassables. Ah ! Quoi ? Non, j'ai pris ? Ma vie a pris ? J'ai pris ? Que se passe-t-il ? Ça va, j'ai pas perdu de vie. Monsieur. Ok. Très bien ça. Au sens... Oh putain, j'ai cru que c'était... Très bien, ça. Ok. Herbe rouge. Ok. Grenade aveuglante. Ok. The munitions. Bon. Grenade aveuglante, c'est à gauche. Pas de sauce. On continue. Les portes du village et les portes des enfers. C'est parti. Allez, on connaît. On connaît, on sait ce qui va se passer. La tête m'en tombe. Ok. Bon, on va faire le man à gauche. Essayer de fouiller à droite.
Là, ce que j'aimerais, c'est tuer... Là, ce que j'aimerais beaucoup, c'est... tuer... Voilà. Comment il s'appelle? Désolé, je bégaye beaucoup. Tuer l'homme à la tronçonneuse, Shenso. Il a un nom, hein, mais j'ai totalement oublié là pour le coup dans le lore. Très bien. Désolé, madame. Au plaisir de se revoir. Très bien. Ok. Alors, les amis. Est-ce que maintenant je peux me faire des munitions? Très très bien. Si jamais je trouve le jeu trop facile, on n'hésitera pas à se mettre en mode difficile un petit peu plus tard, ne vous en faites pas. Là on aura besoin d'une clé. Alors, il paraîtrait, mais là je crois que c'est trop tard, que si on longeait la... Ouais, non, c'est bon. Oh, il y a une balle, là. Ah bah non, j'ai pas Ashley. Oh la pute! Passé. Notez que je suis passé, bordel de merde. Ok. Notez que je suis passé. Hein. Ok. Attends, il y avait un autre chemin par ici. D'où Jésus. Tout était prévu depuis le début. Ok. Ok, on peut plus rien faire ici. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Très bien. Très très bien, merci, au revoir, hein, comme on dit dans le milieu. Dans la street zère. Pour l'instant, on est juste des machines. Hein. Imperturbable. Oh, les bâtards, c'est fermé. Dans la démo, c'était ouvert. Pas le choix. Totalement d'accord avec vous. Pas le choix. Allez, on retente, c'est parti. Je vais bien réussir à l'avoir, l'autre. Let's go. Allez. Bon, je sais que vous connaissez ce début par cœur. Comme Tony. Je sais pas si je vais vous montrer le passage où on est mort. Mais mon objectif est simple, tuer Shenso. Donc on va bien y arriver. Putain, j'y crois pas. Ne vous inquiétez pas. Alors. Ok. Bien fait. Ça, on pousse très bien. Ok, hop, hop. Hop, hop. Très bien. Ok, on prend tout. Ça, c'est cool. Ça s'arrête jamais. Oh non, faut que je garde les... Oh non.
Attends, ça dégage. Dégage. Ok. Petit cadeau. Ok. Ok. Alors. Cascade. On va essayer de se passer ici. Ok. Oh. Ok. Il est où l'autre? Très bien, esquive. Il est où? J'entends, mais... Il est où cet abruti, là? Attendez, madame. Mais je vais pas... Frère! Ah vrai? Non mais on troll. On troll. Dégage-toi. Attendez, on troll là-haut. C'est pas vrai. Il est où? Ok. Putain de ta mère! Je l'ai eu, je crois. Celui-là. Non, sérieux? Non, ta mère! Oh! C'est pas vrai! T'as pas de bras! Pas de bras, pas de chocolat, Harry! Oh là 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 là, quelle angoisse! Alors attendez. Viens par ici. Par ici. Je l'ai eu. Essayez de monter. Je l'ai eu. Oh, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu. On l'a eu, les amis. On l'a eu pour ce premier épisode. Shenzo, c'est dans la poche. Il nous invoca. Tenemos que servir. Où est-ce qu'ils vont tous? Il y a une fête. Let's go! C'est
C'était l'épisode 1. Et on a eu cette émeraude. Waouh, je crois que c'est 1000 ou 10 000 pesetas. En tout cas, c'est assez insane. Quel bonheur. On va pouvoir tout fouiller tranquillement. Et ça, c'est cool. Ah, alors attendez. Ça va pas trop me plaire ce qui vient de se passer. Un moulin. C'est noté. En fait, ça sort de la manette. Oh, quel enfer. Mais plus personne n'utilise ces fonctionnalités. Bougez pas. Non, mais ça, les trucs qui sortent de la manette, les gars, c'est pas possible. C'est pas possible, ça doit jamais exister. Sortie audio, orientation des haut-parleurs, volume des impacts normal. Haut-parleur de la manette radio, non, en fait, hein, les gars, ça, c'est un non négatif, ça ne doit pas exister. Allez, on va tout ramasser. Par contre, j'ai pas l'impression, j'ai rien vu de très brillant. À part peut-être Danny, évidemment, qui était dans ce village il y a de cela quelques années, Danny Brillant. Mais j'ai rien vu de très brillant là. Donc c'est fort endommageable. Oh, par contre, on a de l'herbe, en veux-tu, en voilà. Hein. Genre. Ah, je suis chié dessus. What the fuck? Ça faisait pas ça avant. Hein. Ok. Oh merde! Oh non, mais quelle balle gâchée! Quelle balle gâchée! Ok. Ça, on prend. Très bien. Oh, j'ai tué Shenzo. Je suis trop content, bordel. Ok, bonsoir. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Une petite grenade. En fait, le problème, c'est qu'il y avait déjà du monde ici. Donc, si je rentrais, je me faisais culbutoquer, comme on dit dans le milieu. La vache a brûlé. Voilà, est-ce que je peux récupérer de la viande? J'essaye d'être attentif. Il n'y a plus de trucs qu'on doit tirer dessus pour les ramasser. Là, vous allez me dire, B-Boy, c'est bizarre, tu regardes à des endroits chelous et tout. Bah parce qu'en fait, c'était souvent à des endroits comme ça. Donc, sur un malentendu, je me pose la petite question. Là, je crois qu'on ne pouvait pas y aller, c'est ça? Normalement, non. Voilà, c'est pas là la suite, comme on dit dans le milieu de tout ce qui est suite. Une niche. Par exemple, il y avait quelque chose ici. Il y avait une sorte de bijou ici. Et là, bah, il n'y a pas. Ok. Putain, c'est pas vrai, tout est fermé là. Bordel, dans ce village de merde. On va commencer à me casser les couilles. Donc là, le but, c'est d'aller chercher Ashley, vous l'aurez compris. Oh non, la vache. Ah non, ça, c'est un spell d'une vache, hein, les gars, je reconnais. Hein, ça, c'est un cheval. Je regarde si... Non, ça brille pas. Oh, regardez! Plus on reste longtemps... Il y avait aussi un truc vers ici. Qui était appuyé normalement. Plus on reste longtemps... Ça, c'est bien les œufs. Plus le viseur se rétracte. Voilà. Désolé. J'en perds mes mots. Ça, on prend... Très bien, ça. Très très bien. Alors, je vous cache pas que, exceptionnellement, durant cet épisode 1, j'ai préféré recommencer la phase. Parce que je voulais impérativement qu'on tue Shenzo. Et c'était pas facile. Mais on l'a réussi au deuxième essai. Donc voilà, le premier essai, je préfère le sauter, histoire de vous mettre bien. Que vous soyez tranquille. Ah, il y a... Ah, voilà! Il y avait quelque chose ici. Par contre, je crois qu'il n'y a plus rien à faire tomber. Arrêtez-moi si je me trompe. Mais il y avait des choses à faire tomber. Là, il n'y a plus. Hop, casquette. Ok, eh ben écoutez, on va pouvoir continuer. En espérant trouver une machine à écrire relativement rapidement. Il est mort! Ces gens sont tarés. Il est mort. Je crois qu'il y avait un truc là-haut aussi. Hein. On sait jamais. Hein. Là, il y a bien le bleu velours qui est revenu. En vrai, sur un malentendu, oui, il y avait des morts ici. Sur un malentendu, on a... Oh, non, c'est de la saucisse. C'est de la saucisse, ça m'aidera pas. À moins qu'il y ait un lance-saucisse dans les parages. Ok. On va passer. Il y avait un bail ici, je crois. Il y avait un bail ici, mais là, de toute évidence, il n'a pas l'air d'y être.
Il a pas l'air d'y être. Et là... Ok, il y a... De ce que je vois, il n'y a plus rien à faire tomber. Très bien. Les œufs, on récupère. Hein. Les œufs, c'est comestible. Voilà, si je puis me permettre. N'oubliez pas de manger, c'est des protéines, les gars. Ok, on va les checker ici. Bon, c'est évidemment fermé. Et on va refaire un dernier petit tour. Par ici, là, il n'y a rien. Ouais... Désolé, je regarde tous les détails, hein. J'aimerais pas passer à côté, pardon, de quelque chose de très important. Allez, on peut y aller. C'est bon. On a déjà dépassé le stade de la démo qui était jouable. L'aventure ne fait que commencer, les amis, c'était l'épisode 1. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas encore une fois, je tiens à le rappeler, le j'aime et le commentaire, parce que ça fait extrêmement plaisir. Je vous fais d'énormes bisous. On va aller foncer dans cette... Dans ce petit cabanon. Yo, les gars. Oui, merci. Merci bien. Il y en a un autre ici, c'est vrai. Les gars, c'est... Ça régale de fou. Hein. Ah, je pense qu'on va se le faire aussi en hardcore. On va se le faire, à mon avis, en hardcore en live. Je pense. J'aimerais beaucoup, en tout cas. On va aller jusqu'au prochain point de save. Mais on n'oublie pas le j'aime et le commentaire. Il y a des choses qui ne changent pas. Le voilà. Allez. Bisous tout le monde. Bye bye.